On va faire un petit coucou à YouTube, j'espère que vous allez bien. Hey, coucou YouTube, comment vous allez bien? On est avec Roro, vous l'avez entendu, et Katsu, que vous l'avez très peu entendu. Coucou! Oh là! Oh! Bah là, je crois que ouais, là c'est bon, ils t'ont entendu. Hein. Là, on est tout sûr, puis du coup, moi je dois aller livrer à l'autre bout de la map, c'est ça? Ouais. Une fois que t'as fini, ouais, tu pourras aller livrer à la bout de la map, ouais. Bah voilà, j'ai fini. Il est rempli ton... Elle est pas remplie ta remorque. Elle est à 100%, tu me l'as laissé, elle était à 84. Eh ben tu prends le McCornick. Laisse-moi le Fiat, je vais aller le vider là. Putain, j'aurais pas le temps de faire ce que je veux faire quoi, c'est un truc de fou quoi. Du coup moi j'étais parti sur une mission de pressage, mais je vais devoir aller livrer du coup les panés pour faire les mouvements de remorque. Donc les gars, sont toujours sur les missions... Comme vous voyez, deux panés, ça est en train d'avancer gentiment. Donc le surplus, on va le mettre dans l'usine, on va gagner de l'argent. Salut, salut Sylvain. Salut. Et derrière, on est à combien là? Parce que je sais plus. Désolé pour la save. Hop. Bah, on est à 35%, ouais, d'accord. Okay. On est à 35%, donc ça devrait bien se passer. On va aller livrer ça. Marché fermé, hein, c'est ça. Hein. Je suis là. Oui, je suis débordé, je suis partout. Il y a une mission de pressage, j'ai la mission de paner, je voudrais la finir pour passer 24 heures. Ça va aller. Pour dire que derrière, on puisse avancer gentiment la carrière, parce que là, on a broyé, il faudrait que je passe la chaux. Il faut que je regarde quel champ qu'on doit labourer, donc il va falloir que je rachète déjà un épandeur à chaux. Je pense pas qu'on ait assez, c'est pour ça que je voudrais avancer le fauchage, comme ça, une fois qu'on a livré le fauchage, on sera tranquille. Et derrière, je voudrais acheter un déchaumeur. Pouvoir labourer le champ qu'on a à labourer. Enfin, pas un déchaumeur, un décompacteur. C'est l'horreur, la double remorque. Ah, la double remorque, si tu fais une marche arrière, je te le conseille pas. Hein. Non, c'est la marche arrière, c'est exclu. Et... J'irai rouler au milieu d'un champ s'il faut, mais c'est exclu. Ça va mal se passer pour toi. T'es. De quoi? Bah, si tu fais une marche arrière. Ah, mais non, je vais même pas essayer. C'était marché fermier, du coup. 337 euros de salaire, ok. C'est bien là. Oui, c'est le. Non, mais c'est l'ouvrier constate, de la tondeuse. Je critique pas, oh là là. C'est l'ouvrier de la tondeuse, oui, bah, tu constates hein, attends, en soulignant attends, que voilà. Ça quoi. Coule encore, ça coule en fait, faut attendre. Voilà, tiens, encore, fais-toi engueuler par Katsu, tu sais. C'est bon. Elle m'engueule pas, elle m'informe. Ouais, elle t'informe ouais, que tu t'es barré alors que ça coulait. Ça hein. Coule. Voilà. Merci pour le troisième mois, Grégos. Merci. Ah bah, la raison, faut pas en perdre une goutte. Hein. Ah bah, non. Et puis, c'est pas du genre à perdre une goutte. Amour. Il est pas 11h, il est pas minuit, il est pas. Voilà. C'est pas le moment, c'est ça, c'est ami de la poésie, bonsoir. Bonjour. Est-ce que c'est bien là qu'il faut livrer? Oui. Impeccable. Du coup, je vais te ramener ta remorque, je vais te laisser le tracteur avec la remorque. Dès que ton McCornick sera plein, tu me le diras, je ferai l'aller-retour. Moi, je vais pouvoir enfin aller en silé, ça pourrait être pas mal. En tout cas, la farm tech là, du DLC Premium, elle est pas si dégueulasse que ça. Elle est un peu chère, mais elle est pas si dégueulasse, quoi. Faut voir après dans le temps. Ça nous sert beaucoup. Mais en plus, on peut la faire en petit train. C'est ça que je trouve assez sympathique. 2 x 28, ça peut le faire. Même 3 x 28, quand on est sur des grandes récoltes, ça peut être sympa. Hein. Bon, le problème, ça va être la stabilité. Ça va être trop lourd. Ça va être énervant trop lourd. Du coup, oui, je voulais faire ça. Attends, pour gagner du temps, je sais ce que je peux faire. Regardons lequel champ qui est à labourer déjà. C'est bon. Lequel qui a besoin de labour. Doit être labouré. C'est le 86 qui a besoin. Oh. Ouais, c'est le 86 qui va avoir besoin. Et tu veux pas me tirer les bagnoles là? Je veux pas enlever le truc là. Non, je t'enlèverai pas. Pourquoi? Parce que les bagnoles, ouais, tu m'excuses, quand t'es en Suisse et que tu roules, tu leur dis quoi au gars là? Tu leur dis, excusez-moi, vous me faites chier, veuillez vous dégager de la route. Non, bah, tu fais attention. C'est exactement ça. Bah non, tu fais attention et tu roules avec le trafic. Les paysans chez nous, ils se mettent sur le bord de la route. Ah oui, je comprends bien. T'as pris quoi comme véhicule, bébé? J'ai un décompacteur pour labourer, que je vais mettre sur le CAS international.
que comme ça je vais pouvoir labourer le 86 parce qu'il est à labourer. Okay. Et je passe avant, moi je suis un chauffeur, je coupe. Et derrière il y aura l'épandeur à chaud à acheter. T'es. Ouais bien sûr, le truc il s'est mis entre deux tracteurs quoi. Juste le coup de chat, c'est normal. T'en es où dans tes remorques toi? Elles sont pleines ou pas Roron? Ou j'ai le temps de faire la manip là? Non, non j'ai le temps. La première est même pas pleine encore. Non, la première est pas pleine. Ok. Elle devrait bientôt être pleine. Je pense. J'espère qu'il est assez puissant. Il y a la deuxième, elle est pas pleine. D'accord, ok. Bon, impeccable. De quoi? Farmtech en bord de champ et transborder et roule. Ouais, c'est ça. Et roule ma poule. Ça va être sympa aussi. C'est bon. Là je sais pas, avant ils me notaient les deux remorques, maintenant ils m'en mettent plus qu'une et c'est puis normal. Je suis à 35%. T'as du pané dans les deux. C'est pour ça. Oui. C'est pour ça qu'il t'en marque une. Parce que dans la logique Giant, t'as plus deux remorques, t'en as qu'une vu que les deux ont du pané quoi. Donc il te met la capacité totale des deux en fait. Donc t'es à 30% des deux, c'est impeccable ça, j'ai largement le temps de t'en ramener ce qu'il faut. Comme ça je peux mettre ça. Hop, mettre l'ouvrier là-dessus. Allez hop, et bloqué par un objet. Puisqu'il Katsu, tu dis rien, lui. Il balance ouvrier sur ouvrier. Je suis sur ma carrière, qu'est-ce que tu veux qu'elle me dise? C'est pas bien. Les ouvriers, bah, c'est le mal. Les ouvriers, surtout si. Moi, comme j'ai dit, surtout si c'est nos champs. Après, en mission, je m'en fous. Nos ouvriers, mais par contre, ils sont utiles, là. Hein? Donc non, faites-moi pas chier. Désolé, ils font de la merde. Non mais ils feront pas de la merde là, t'occupes, t'inquiète. C'est avec des compacteurs, il est en 4 mètres le machin, il va pas faire de la merde. Et t'as pas envie de le faire. Je te promets, t'as pas envie de le faire. Donc Roro, la prochaine fois que tu ramènes ton cul, je te fais faire du décompacteur en 4 mètres sur un champ de 10 hectares. Ça va te détendre 30 secondes la nouille. Hein? Oui, alors tu vas me laisser mettre mes ouvriers comme je l'entends. Hein, ça suffit. Hier soir, j'ai fait du pané pendant 3 heures. Attends, tu regarde, au lieu de dire de la merde, regarde ce que tu fais. Voilà. Hein? Hein? C'est bon. En Suisse, ils ont pas le temps d'attendre. Ouais, c'est ça. T'as vu? Ils ont pas le temps d'attendre bah en ouais. Suisse. Nous, on cherche l'efficacité. Bah, moi non plus. Aïe. De quoi? Toi, tu cherches l'efficacité? Bah, oui. Moi, je cherche l'optimisation. Ah oui, bah, c'est pas la même chose que l'efficacité. Non, je cherche l'optimisation. Je m'en fous de l'efficacité, moi. Il faut que ça soit rapide. Que ça marche et que ça soit rapide. C'est tout. C'est... Ah c'est bon, vous l'avez bientôt fini. Il est à la moitié le champ bientôt là. Après ça se rétrécit, donc vous allez faire des allers-retours encore plus rapidement. Après ça se rétrécit. Ouais, ça se rétrécit. Ça se rétrécit, oui. Ah oui, oui, oui. Rétrécit, ouais, rétrécit, rétrécit. Allez, bon, c'est pas. Bah, oui, mais... Vous l'avez pas encore acheté le dictionnaire Schizophamien, non, pas encore. Pas acheté encore le dictionnaire schizophamien. On a pas encore passé la patata. Avec les langues. Je vous emmerde, voilà, ça vous va comme ça? Très fâché avec les langues. Viens de plaindre, toi. Ça dépend lesquelles. J'ai dit, ça dépend lesquelles. Oui. Ah, je suis pas fâché avec l'anglais. Si, si. Si, t'es un peu fâché avec l'anglais, tu connais pas l'anglais par cœur. Je connais pas le français, je connais pas l'anglais, je parle quoi? Je parle schizophabien, donc foutez-moi la paix. Voilà. Je parle ma langue à moi. Tu t'inventes des mots. À mon avis, tu dois pas être fâché avec le suédois. Il est comme ma fille, il pourrait faire un dictionnaire à lui tout seul. C'est ça. Avec des mots nouveaux. Il est déjà en cours, hein. Édition 2024 bientôt là. Chaque année on en rajoute des mots dans le dictionnaire. T'es. Ça c'est le truc que je disais à ma fille. Je dis à toi toute seule tu te ferais un dictionnaire. Ça va bien aller, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire quoi? Ça devrait le faire. Le faire. À repasser le faire. Waouh. Oh arrête les pilules hein. T'es quoi? Et il commence à se faire tard, hein. Oh oui, bah oui. Et 9h30, l'autre, il a les yeux qui se croisent et commence à se faire tard. Je comprends bien. Bah ouais. Et 15h que je suis debout, qui dit mieux? Oh, moi, 17. Ça rentre trop vite. 17. Tu t'es levé à 4h30 ce matin? Ouais, ouais, j'ai pas dormi. Ouais, voilà, ouais. Oh, l'autre, il a ronflé. J'avoue. Comme un gros bébé. Ah, j'étais surtout malade, t'es...
Oui, mais t'as ronflé quand même. Ah oui, j'ai fait ronflex. Là, j'avoue que j'ai fait carpette hier soir. Je me suis couché. Un suppo au lit, direct. Merci, au revoir. Ouais, j'ai pas cherché. Il était pas bien. Hier. J'ai pas demandé mon reste. En tout cas, on est au petit hein, sur cette carrière parce qu'on avance pas trop mal. Hein. Franchement, j'ai oublié de mettre le chronomètre. Te sauve pas. Faut viser. Mais non, mais c'est à toi. C'est pas elle de viser. Si je m'arrête, c'est à toi là. C'est toi qui conduis la benne. Oh. C'est à toi de me suivre. On va en faire des jaloux là. 97, 99, 100. Hop. Ouais, putain, on va faire deux bottes par ligne là. Oh là. Ouais. C'est ça. T'es en espérant qu'on pourra. Quoique le surplus en ensilage, on fait quoi? On le vend ou. On le garde du coup pour nos vaches? Là, je vais avoir un surplus d'ensilage là. Allô? Alors quand, je veux qu'il les ouvre, il les ouvre pas. Et. Putain, mais. Pardon, vas-y. Le surplus d'ensilage, on fait quoi? On le garde? Non, tu vois. Je le vends. On le vend direct. Avance. Bonjour Rasta. Ouais, bah avance, je peux pas tout faire en même temps, moi, madame. Hein. Tu peux pas parler et avancer en même temps. C'est ça. Ah là là, mon dieu. C'est ça, t'as tout compris. Aïe. Bah, après, si on le vend, ouais, on récupère un petit billet, ça nous permettra d'acheter les pendeurs à chaud. Et du coup, en nouvelle culture, vous pensez à quoi dans les nouveaux champs, là? La carotte. On pourrait le faire, hein, la carotte. Hein. Quand tu me demandes de la carotte, je la fais, la carotte. Hein. La betterave. Bouge pas. Bah, carotte, betterave, je comptais acheter le champ, quoi. Elle est chou, elle est mimi, hein. Elle bouge pas, mais elle continue à avancer. Parce que t'avances. Bah oui, mais moi j'avance parce que t'avances. Donc si t'avances parce que j'avance, Pourquoi tu cours parce que tu cours. Ouais, voilà, c'est ça. En mission, elles sont fermentées automatiquement. Même si tu les vends, attends que les bottes d'ensilage soient mûres. Oui. Non, ouais, elles sont fermentées, il a raison, Marc. Je l'ai pas lu celui-là. Ah ouais, si, au-dessus. Et puis, tu crois qu'elle m'attendrait? Non, elle est en fou, elle enquille son machin, plat, bon, merci. Elle a pas le temps, Katsu, tu la connais pas encore. C'est ça que je l'adore quand elle fait des missions, mais je reste jamais avec elle parce que. Elle a pas le temps. Non, non. C'est suit le mouvement parce que. Pas que ça à faire, hein. Oui. On a une journée à passer, là. Bon, ça me rappelle mes débuts sur World of Warcraft, tu sais. Où t'étais là, tu faisais tes quêtes, t'essayais de comprendre, puis là t'étais là, ouais, vas-y, grimpe sur la monture, là on y va, et boum boum boum. C'est parti. C'est clair. Monture à deux places, toi t'es là, tu comprends rien, t'as plein de trucs qui s'illuminent. Alors là, tu vois, tu fais ça, t'as compris? Ouais, bah c'est comme moi sur Final quand je suis arrivé, tu sais. Bannir une action en jeu. C'est quoi? Ouvrir les yeux pour jouer. Jouer avec les yeux interdits. Ah ouais? Ah, du mal là! C'est qui? Je veux le nom du génie qui a mis une action pareille. C'est Rasta Croquette, mais. Comment te dire que. Rasta. Tu vois, c'est pas une action en jeu. C'est une action. Une action dans le jeu, c'est une action dans le jeu. Comment je ferme les yeux dans le jeu? Je fais comment? Bah, je veux bien, mais avoir du mal. Bah écoute, c'est très simple, t'éteins ton écran. Oui, bah oui. Bah, je peux éteindre l'écran, j'ai le retour du deuxième, donc. Je suis pas sûr que ça fasse grand chose en fait. Mais j'avoue, je saluerai l'efficacité de la connerie tu quand me même. Tu dis quand t'es bientôt plein, parce que là j'ai l'impression que. 92%, 93%. Bah, le retour du deuxième, je vais juste regarder en l'air en fait, hein, parce que je peux jouer avec le retour du deuxième. Il est assez grand. Et coucou cerise. Tu auras de la latence. Ah ouais, non. T'as pas compris l'équipement que j'ai, moi. Moi, j'ai zéro latence entre en bas et en haut. Vas-y, on va y aller doucement, là. J'ai zéro. Que... Vas-y, stop. 94. Ah non, moi, chez moi, il n'y a plus de point d'exclamation suite à cerise. Ouais, et puis j'ai plus personne, normalement. Normalement, c'est... T'es à combien, encore voilà. 96. C'est vu que la suite à, malheureusement, ça se casse la figure, bah j'ai enlevé le point d'exclamation suite à... C'est pas cassé la figure, on a fermé la boutique. T'as coûté trop cher à Schizo. Ouais, bah c'est bien, c'est cassé la figure, c'est pas un projet qui a tenu la route. 97, 80... Comment il annonce ça, lui? C'est pas un projet qui a tenu la route. Mais je t'emmerde, toi. T'étais où, toi? Il peut rien, moi. Il peut rien. Moi aussi, j'y peux rien.
Quoi? Bah ça oui, dépend pas de ma volonté. J'ai jamais dit que tu pouvais quelque chose. Espèce de méchant. J'ai toujours compris pourquoi tu voulais te mettre en assas. Attends alors. Là, occupe-toi de tes panés là. Mais elle bouge plus, ça bouge plus, donc forcément c'est que les 3% qui restent, ils sont dans l'autre morgue. Tu sais. Bah il paraît. Voilà, 98, c'est ce que je pensais. Je pense que je peux pas l'accrocher avec celui-là. Ah si, je peux. Nickel. Tu reprendras les vidéos agricoles en IRL? Oui, bien sûr, j'en ai déjà qui sont en réserve depuis plus de 6 mois là. Ça continue j'ai pas fait encore monter. Je les ai pas fait encore monter. 99 vas-y. Toujours, va ouais. Va livrer. Après, je sais pas si j'en referai autant que j'en ai fait il y a 2 ans, tu sais. Eh ben, prends le Fiat du coup, oui, je vais aller livrer après, tu sais. Bah oui. Je bosse tout moi. La meule hein. Fous-moi la paix. Tout doux. Camembert. Camembert, ta gueule. C'est mieux comme ça. C'est plus propre, c'est net, c'est précis. Camembert, c'est plus sympa, c'est plus poétique. Ouais. Veuillez bien fermer votre gueule, s'il vous plaît, monsieur. Monseigneur, t'es. Ça va mieux comme tu ça prends, tu me prends pour deux funesses, c'est gentil ça. Non. Oh, bah non. Ah si, t'as dit Monseigneur, il est lourd. Hein, donc, j'ai pas dit il est lourd. Ah bah si, mais t'as dit Monseigneur, ouais. Et ça, on sait tous d'où ça vient. Votre bouche, ouais, c'est ça, Rasta. Mal poli. Il est lourd, Monseigneur. Il est lourd. Zoup. Du coup, il faut que j'aille vider ta remorque. Putain, mais je vais jamais m'en sortir avec ça. Jamais réussir à faire ce que je veux. Après, il fera charger, donc je vais avoir besoin de l'autre remorque. Pour faire les plateaux. Parce que je vais faire un plateau de balle, hein. Je vais pas m'amuser avec les machins là, merdiques à ramasser. Mmh. Ah bah là, c'est sûr. Ça va, on a bientôt fait la moitié du champ. C'est cool. Qu'est-ce que j'aurais fait depuis deux soirs? Bah, du pané. Mais non, non mais la moitié du champ, Mais il est chiant. Il est chiant. Qu'est-ce que t'as fait? Du pané? Mais non, t'as pas fait que du pané. C'est pas vrai. Oh, j'ai à peine eu. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai à peine eu le temps de profiter du broyage. T'as la texture, elle a du mal à se barrer, la texture du justement du pané dessus. Oh le bâtard, il y a des cailloux. C'est des cailloux de quoi ça? Tu vas où? Moi je m'en vais. Par terre. Je fais. Ah bah on peut pas tout, on peut pas. Pas faire sans perte. Les moyens, je crois pas qu'ils partent au rouleau, je crois, non? Les moyens, ils partent pas au rouleau. Dites-moi la commu, putain, j'ai un doute. Mais je crois que pas. Je crois qu'on est obligé de les ramasser. On va être obligé de les ramasser, les moyens. Putain, il faut que j'achète une épireuse. Mais non. Merde. Bah, tant pis, hein. Ça sera pas cette année, l'épireuse. Ouais, que les jeunes au rouleau. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Tuc-tuc. Aïe, aïe, aïe. Eh bah, tant pis. Tu cherches. On les ramassera pas cette année, on va bousiller un peu plus vite le matériel, hein, c'est pas grave. Hein. C'est point grave. Ah merde, ouais. Il a mis le régulateur à 8. Mike Cornick, à l'intérieur. Hip là. Il est animé à l'intérieur. Il est pas dégueulasse celui-là. Oro, t'avances. Ouais, j'arrive. Je peux pas tout faire. Et j'ai deux mains. J'ai deux mains et un cerveau fatigué, désolé, hein, je fais ce que je peux. T'as un cerveau, t'es sûr? Ou deux neurones? Là, en l'occurrence, vu que les milliards d'autres sont en train de dormir, ouais. Louleux, je sais pas si ce serait rentable, en fait. Cerise, la chaîne des Katsu, tu la trouves dans le titre du live Eskizo. Normalement, juste en dessous de son live, dans le titre, tu dois avoir un arrobas Katsu. C'est ça. C'est bon. Et tu trouves sa chaîne là-bas. Pourquoi tu l'as pas fait toi? De quoi? Le arrobase schizo normalement et Katsu? Non, j'ai pas fait, non. Oh là là. Je plaide coupable. Ah ouais, non, mais c'est honteux là. Honteux! C'est honteux! Eh ben la prochaine fois, j'enlèverai Roro, je mettrai que Katsu. Tant pis. Ouais, tout de suite. Bah quoi? T'es pas bien mis là. Un coup de main, non? Oh. Hein? Bouge pas. Ça va bien, ça va bien. Je vide et tu te remets comme il faut. Et L2C, on en parle. Vas-y. Du petit bug. Merci Marc. Ça va pas le tien. Merci Marc. Lui, ça dit rien. Rajoute une sonde d'alerte. Comment ça rajoute? Tu veux une sonde d'alerte de quoi? Eh, merci le lion pour le prime. Merci beaucoup. Ah bah, alors Cyril, la location, je suis pas sûr que ce soit si avantageux que ça. La location des pierres, oui. Ouais, je suis pas sûr.
Location de pierre, je suis pas sûr. Ouais, c'est honteux. Ah oui, c'est honteux. Recule, j'ai fait une bombe. J'ai pas allumé. La location de pierre pour juste le champ 86. J'aurais eu les trois champs, je t'aurais dit ouais. Juste sur les trois champs, vu que c'est la grosse machine qu'on loue à chaque fois. Je suis vraiment pas sûr. T'sais. Ça va être compliqué. T'sais. Vraiment compliqué. Il y a un mode qui fait la location-vente, Cyril ? Oui, ça tu. Ouais, si, si, il y a un mode là-dessus, ouais. Ok. Ah oh, bah tu vois, je savais pas. Donc, tu le connais pas ? Ah non, je le connaissais pas celui-là. Tu vas trop vite. Tu vas louer ton matos ce mois, rémoissonneuse ? Alors tu t'en fous des dégâts. Bah en fait, non, là, moi, normalement, dans mes plans, j'ai rien à louer. C'est les pierreuses qui me faisaient chier parce que les pierreuses j'étais emmerdé avec. Mais normalement, vu qu'on va faire du blé au fur et à mesure d'avancer, enfin de l'argent, hein, de la monnaie, et ben en fait, je vais pouvoir me payer le matériel au fur et à mesure parce que vu qu'on est en mode saison, bah là on a la préparation de terrain et on peut semer que au mois de mars. Si je vous montre, si vous avez bien suivi le calendrier du coup, hop, regardez, on peut pas semer avant mars là. Suivant ce qu'on va partir, il y a que vraiment blé, orge, colza, mais on en a pas besoin. Parce qu'on a déjà de la réserve au niveau, je sais plus quoi d'ailleurs. Je crois que c'est niveau... Tu sais que c'est pas ton tracteur qui doit être sous ma... Orge. Tu dois te mettre un peu plus loin. On a de la réserve niveau orge, donc du coup, août, septembre, octobre, bah ça on s'en fout. Donc ce qui va nous intéresser, c'est mars, avril, mai. Connaissant Katsu, elle va nous allumer de missions novembre, décembre, janvier, février. Donc je pense que j'aurai assez d'argent pour dire... Puis il y a la génération aussi de l'usine qui va produire. Donc je pense que j'aurai assez de thunes pour dire de pouvoir racheter un semoir, une préparation de sol et tout ça pour ces 4 champs là, ces 3 champs. La seule location que je vais faire, c'est peut-être dans le 52 pour le tournesol. Ça, il y a de fortes chances que ce soit ça, tu sais. Donc normalement, ça devrait aller, tu sais. Tu devrais les retirer les paramètres des pierres. Bah non, ça rajoute du gameplay, j'aime bien. Jusque là, je peux pas le faire. Donc du coup, bah je vais casser un peu plus le matériel, c'est tout quoi. C'est pas grave. Te revoilà, coucou. Oui. Je vous entendais vous crêper de chinon, j'étais en train de parler, du coup j'ai muté. Je suis parti parler. Hop. Putain, je l'avais pas vu les. Oh ! Un camion peut en cacher un autre, pardon. C'est quoi la chaîne Aro et celle de Katsu ? Désolé, nouveau sur Twitch. Eh ben regarde dans le titre, et il y a écrit @ fit Katsu et fit Roro. Et tu cliques dessus. Tu cliques sur le lien et tu peux aller voir sa chaîne directement. Sinon Marc il va être gentil, fait un point d'exclamation Sfita et tu cliques dans la liste et normalement tu vois Roro qui est en live et tu verras Katsu64 avec son nouveau logo de chaîne. T'sais. Il m'a fallu 4 heures pour le 52 et 53, plus de 320 000 litres de carottes. 52 et 53, c'est lequel 52 et 53? Ah bah nous on a le 88 et 89 à faire après. Il faudrait que j'achète après par la suite. Et celui-là, il y a betterave rouge et carotte. Donc comment te dire que là, je voudrais réinvestir soit dans une usine supplémentaire pour produire plus, que j'ai mon... soit vraiment on garde, mais on investit dans du matériel, quoi. Peut-être investir du matos pour aller beaucoup plus vite, quoi. Histoire 2. Ça peut être sympathique. T'as combien dans le pourcentage dans ta remorque 52. 52, bah c'est bon. J'ai le temps d'aller retourner à mon pressage. Ouais, t'as le temps de faire un petit peu de pressage là. Hop là. Impeccable. Hop. Heureusement qu'on n'a pas le mode pour le poids par rapport à la culture parce que. Mais c'est fini là. Je sais pas si c'est lourd le panais, la betterave et la carotte. Ça met du temps à se vider en fait. Donc ça veut dire que quand toi tu t'en vas, bah ça coule par terre. Tant que le tapis tourne et que tu vois des machins blancs sur le tapis, et ben c'est que ça crache le. C'est qu'il en reste. Ça crache la culture. Mais quand elle commence, qu'il y a les machins blancs et puis qu'elle m'attend pas parce qu'on est pressé. Non, parce que ça met du temps à arriver sur le tapis. Ouais, ça là, met du temps à arriver sur le tapis. Là, tu speed en fait, mais. Là, je speed en fait. Bah oui, parce que si après, Schizo... si je suis trop lent, ça manque. Schizo, tu vérifies les occasions des fois qu'il n'y ait pas le matériel pour les pierres. Ah, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas vu. J'ai pas regardé le matériel. On avait regardé au début, mais je les avais pas. Donc, non. Non, j'ai toujours les trois du début qu'on avait. Mais pour l'instant, j'ai rien. Mais ça pourrait peut-être venir après, tu sais. Je peux pas faire ça, je pète les plombs. Hein. Parce que c'est trop long, c'est ça ? Les panais et les carottes ? Je trouve ça pas dégueulasse, moi, j'aime bien. C'est long, mais ça paye ! Ça paye tellement bien ! On va démarrer sur la carrière, on va réussir à se faire du blé juste avec ça, franchement. C'est pas si dégueulasse, hein. On fait du 300% comparé à la culture de base, quoi.
avec juste la conserverie, donc normalement on devrait gérer le problème, ça devrait bien se passer. Plus les petites missions à droite à gauche pour démarrer, pour arriver en quiller, franchement ça va aller, tu sais. J'ai la machine avec le réservoir, ouais, y en a beaucoup qui la prennent celle-là. Moi j'aime bien, c'est la Palox, celle-là on l'a en location. Elle est pas à nous, elle est en location. La grosse en 4 ans là. Sinon nous on a pris la celle avec les 4 box dans qui est dessus, tu sais. Salut, moi j'ai essayé le 22, mais j'ai du mal avec les saisons. C'est trop simu pour moi par rapport au 19. Eh ben il faut désactiver les saisons. Et tu joues en normal, t'sais. Comme ça tu te fais pas chier. Bah j'arrive. Oh et merde. Et là là. Et moi je suis. Alors, franchement, Katsu, je suis curieux de. Ils m'emmerdent les deux là. Il est chiant. Tu peux les désactiver dans les options? Ouais, tu peux carrément les désactiver. Ouais, le mode saison, tu peux les désactiver, t'sais. Après, mode saison, moi je trouve que ça permet d'avancer les jours. Sinon, tu les avances jamais en fait. Donc, tu te fais chier quoi. La soupe est magique. En plus, on peut utiliser les pâtes. Les pâtes de quoi? La soupe, c'est magique. En plus, tu peux utiliser des pâtes. Qu'est-ce que tu me racontes, Kevin? J'ai pas compris. Tu peux utiliser les pâtes pour la soupe? C'est ça que tu veux dire? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Franchement, j'ai beau chercher dans ma tête, j'ai pas compris. Les patates, ah oui, les soupes, les patates, ouais, là on est d'accord. Parce que les pâtes, ouais. Ah oui, les patates, oui. Oui, non, ça doit être les patates, ouais, ça y est, j'ai capté. Waouh. Ah oui, parce que je voyais pas le rapport avec les pâtes, j'ai dit, attends, on a pas. Y a pas de nouvelle usine de pâtes, y a des chips, ouais. Y a les chips, d'ailleurs, je sais même pas si les chips sont rentables, j'ai même pas fait gaffe au tableau, il faut que j'y retourne. D'ailleurs, le tableau, si vous cherchez le tableau de prod, vous l'avez dans le. Comment ça s'appelle? Dans le Discord, vous pouvez aller le voir, hein, il est dans le tableau FS22, normalement ça a été mis. Donc vous pouvez aller le chercher si vous avez besoin. Ça vous devrait, ça devrait bien se passer. Bon, est-ce qu'ils scriptent le chignon encore les deux là? Heureux. Disons que les saisons peuvent enchaîner les cultures. Ouais, sans les saisons tu peux enchaîner les cultures, ouais, mais avec les saisons tu t'enchaînes pas vraiment quoi. C'est justement, t'es bloqué au fil des saisons. Moi, je trouve ça plus RP, ouais. Heureux. J'arrive. Bon, ça y est, vous avez fini, vous crêpez chinon, les deux? Écoute, non. Tu vois, on fait nos petites passes d'armes, on se teste, on regarde un petit peu comment ça fonctionne. Quand t'en as marre de faire chier le monde, tu le diras. Ouais, alors non, c'est pas de mal la veille. Alors, attends. C'est vrai qu'il y a des bugs de texture, hein, depuis que... Mais ça va être corrigé au prochain patch, je pense. Ils ont dû faire gaffe, tu sais. T'es à combien, là? Il faut revider ta remorque ou pas? 82, ok. Bah oui, ok. Pas de soucis. J'avais pas entendu. Tu te calmes. J'étais en mute quand t'avais dû dire que t'étais déjà à 82. La machine avec les palox, elle rapporte encore plus. J'ai pas été agressif quand je t'ai dit 82, là, quand même. Et oh, on se calme. Non, j'ai rien dit. La machine avec les palox, elle rapporte encore plus. Si tu vas acheter tes palox, par contre, tu fais pas mal de trajets. Bah, c'est ça que je trouve intéressant, moi. C'est t'achètes tes palox 4x4, alors, ils te rapportent de l'argent. Mais en plus, derrière, ça te rajoute un gameplay, parce qu'il faut charger, du coup, tes palox sur un plateau. Pour les ramener. Oh, alors ça te prend du temps à charger, hein. Si t'es une quiche en chargement. Ah ouais, si t'es une quiche en chargement, tu vas galérer un peu, mais au moins ça va t'apprendre, tu vois. Ah bah attendez, si on crache sur tous les gameplays, les gars, faites des grands champs de blé et let's go, moissonner du blé, hein. Et encore, si le blé, faut faire la paille, c'est chiant, tu sais, donc faites du colza. Colza, il n'y a pas de paille, tu sais. Faites un autoload pour les palox. Ah, t'es cru sur FS23, toi. Bah. Pourquoi pas, hein? Un truc sympa. Ah, c'est vrai qu'à FS23, tout ce qui est palette, c'est autoload. C'est bon. C'est pas dégueulasse. On va changer de benne, parce que là, t'as combien? 91. Bah, remplis la mort. Tu feras pas une rangée. Non, tu feras pas une rangée. Ouais. Bah, si on fait. Avant, j'étais à 82. Ça a fait 9. Là, normalement, j'arrive à la fin de la rangée. 91. Vous en êtes où dans votre champ? Les rangées sont de plus en plus petites. On a fait, je pense, la moitié du bousin. Vous êtes à qu'à la moitié? Non, parce qu'il va falloir que je récupère la grosse farm tech pour la transformer en plateau pour livrer le. Pour livrer les, mais en les fait, balles. C'est parce que mon homme, il a dit qu'il fallait pas prendre plus de 4, en fait, sinon ça sert à rien. Bah, alors, en fait, si tu prends sur 4, si tu prends plus de 4, en fait, il y a un rayon que tu vas zapper, en fait, à chaque fois.
ça peut être très important parce qu'à la fin, au lieu d'avoir du surplus, tu peux te bouffer ton surplus parce que t'as mangé une ligne de trop. Pourquoi ça serait dommage. Hein, on se calme. Il y en a encore une là-bas. Ah, mais moi, je suis au début. Merde. Ouais, on mais c'est pas grave. On verra. On verra quand on va livrer. C'est pour ça que je vous demande où vous en êtes. Parce que moi, j'ai fini ma mission. Il y aura plus qu'à charger, donc. Et sans. Merde. Hop. Parce que moi, les balles d'enrubanné, elles sont prêtes. J'aurais plus qu'à charger avec le gros case. Pas le gros case, façon de parler, parce qu'il fait 110 chevaux le case. Mais avec le case, j'aurais plus qu'à charger et emmener ça, je sais pas où d'ailleurs. Et en plus, ça va nous faire du surplus, comme ça on pourra acheter les pendeurs à chaud pour le prochain épisode. T'as un Fiat tout bon pour toi. Ouais, mais quand tu achètes les Palox au magasin, au lieu de les prendre direct sur la machine, tu doubles les trajets. Mais c'est plus réaliste. Ah oui, j'avoue. J'ai même pas regardé combien coûtaient au magasin les Palox. Est-ce que c'est pareil que... Est-ce que c'est 520 les 4 ? C'est 130 l'unité. C'est 130 l'unité, tu les vends 260. Tu les vends le double. Ouais, donc tu fais un plus gros... Ouais, si tu joues RP, t'as un plus gros... C'est 460 les 4, il me marque, Chris, quand tu les achètes. Je croyais que c'était 530, moi. Moi, j'avais vu 520 hier. Ouais, bon, y a personne qui va être d'accord. Voilà, tête. Du coup, Roro, je peux te laisser vu qu'il reste pas grand chose là. Tu crois que tu finis avec la benne du McCornick? Écoute, on peut sur un petit prédit, ouais. Non, sans dire de faire une prédit, mais d'essayer. C'est... Ah, sinon, t'auras un aller-retour à faire parce que je vais récupérer le plateau de toute façon. La double benne, elle est plus grande que... Il y a une benne qui est plus grande que l'autre, ouais. Ouais, bah écoute, normalement ça devrait passer. Ça devrait passer. Je pousserai dans les coins. Non, mais sinon tu feras un aller-retour vite fait, quoi. Des mémoires, prix identique, boutique et machine, une perte de 15 euros par palette quand tu les vends. D'accord. Même réponse que tout à l'heure. Ah oui, Schizo, tu me conseilles quoi? Même réponse que tout à l'heure, la conserverie. Hein. Comparé à l'usine de soupe, ne vous faites pas tromper, l'usine de soupe ne rapporte pas plus d'argent. C'est pour ça que je vous ai dit, allez voir le tableau de production qui est sur mon Discord. Ça, on va se rebattre comme à la sortie FS22 quand on avait fait les tableaux de prix des machins, là, qu'il y a l'autre qui nous avait donné du bousin en information. Les gars, allez voir les tableaux de prod qu'on a fait, vous allez voir, vous allez vous rendre compte que... Attends. Là, le plus rentable, c'est la conserverie. Cherchez pas, c'est 300% la conserverie. Et c'est pas la soupe. La soupe, c'est du 260% par rapport à la culture de base. La conserverie, c'est du 300%. Donc, vous trompez pas. Oui, le prix de vente est plus élevé, mais le ratio que vous devez utiliser de culture pour faire fabriquer votre produit est complètement différent. Donc, attention à ça. Oh, je pense qu'on peut faire confiance à Marc sur le calcul. Ouais, bah, de toute façon, oui, ça, je peux... Et je crois qu'on en a farmé assez tous les deux. Même, on était 4-5 à la sortie FS22 à le farmer, les tableaux. Donc oui, vous pouvez largement. Tu joues souvent à farming ou c'est exceptionnel? Moi? Alors, comme dirait mon modérateur, c'est très rare. À cette question, la question c'est qui très très rare, mais alors d'une rareté mondialement connue, tu sais. Attends. Non, je joue énormément à farming, c'est mon fil rouge, donc j'y suis assez souvent, tu sais. Schizo, il faut s'abonner en payant pour regarder tes vidéos sur Twitch, mais j'ai pris mon abonnement avec le Amazon Prime, ça marche pas? Si, ça marche. Si, ça marche le lion. Si t'es abonné Prime, ça marche. T'es pas obligé de payer, hein. Avec le Prime, ça marche tout à fait, hein. Ah oui, vu que le Prime, c'est un abonnement offert par Amazon. Hein, fallait pas sortir des chiffres aléatoires pour remplir les tableaux? Oups. Ah merde, Marc, tais-toi. Leur dis pas. Leur dis pas, ils vont y croire après. Non, mais allez voir les tableaux de prod, ils sont sur le Discord. Point d'exclamation Discord, récupérez le tableau, mettez-vous le de côté et vous allez comprendre pourquoi je vous dis que la conserverie est deux fois plus rentable que l'usine de soupe, quoi. Merci beaucoup pour le follow. Merci.
Du coup, on va changer le Fiat, on va le passer en plateau. Enfin, le Fiat, non, le Farmtech, pardon. La Farmtech qu'on va passer en plateau, parce que le Fiat en plateau, ça va pas être cool. Et on va aller charger les balles pour aller rendre la mission. Ça sera pas dégueulasse. Configurer. Tac, plateau, configurer. Oui, pouf, pouf. Tac. Impeccable. On va même changer de tracteur au passage. On va aller chercher le. On va prendre le CAS. Le CAS 120 de l'extension. Oh les gars, vous avez pas oublié un truc? De quoi? On a oublié un truc. En démarrage de live, j'ai oublié quelque chose. Tu sais ce que j'ai oublié? J'ai oublié d'activer le giveaway. Ah, c'est moche. Ah, c'est moche, hein. Et y'a pas un qui s'en est rappelé en plus. Bah alors, Schizo, point d'exclamation cadeau ce soir, tu fais pas Non, c'est une option. Non, bah non. Bah non. Bah en même temps, t'es streamer pro depuis 10 ans donc. Ouais, bah oui. C'était je gardais pour les meilleurs qui étaient encore là. Et bonsoir, Kali. Bonsoir, bonsoir. Ah bah tu vois, tu parles de giveaway, y'a Kali qui arrive. Ouais, mais il a pas l'accès à Streamlab pour le faire. Manque de bol. Salut Timmy. Du coup, je l'activerai juste à la fin de l'épisode, vous inquiétez pas. Je le reprendrai. Bien. Si je l'oublie, oubliez pas de me faire rappeler. Ça devrait aller. Bah à la fin de l'épisode, toi tu fais ton point d'exclamation cadeau, moi je fais mon café et puis tout va bien. Ouais, ça va être impeccable. Et j'ai oublié la masse. Impeccable. Je vais rechercher la masse parce que j'ai oublié la masse. Et oui, parce que si je prends pas la masse, ça va être compliqué. T'sais. Ah oui. Hop là. Ça va être. Ça va pas lever correctement, tu sais. Ouais, normalement j'arrive à faire avec les doubles remorques à mon avis. Là je suis à 36%. 36%, vous êtes à la fin donc ça devrait bien se passer. Katsu, ouais, tu rendras pas la mission. Ok. Ouais, tu rendras pas la mission donc, parce qu'on va avoir besoin du McCornick. Si je croise la mission, j'appuie sur terminer, c'est ça? Non, tu touches pas. Ah, t'arrêtes tes bêtises et tu ne touches pas. Ça devrait bien se passer aussi. Hop là. C'est où sur Discord pour les prix? Eh ben, tableau FS22, je pense hein, que ça doit être là, dans le canal Discord. Ouais, ben là, attendez, c'est quand vous arrivez sur Discord, vous devez d'abord accepter le règlement, faire votre histoire de validation de rôle, et puis après, vous aurez accès. C'est pas un truc en libre accès comme ça. Coucou Moi, je dis rien. C'est faux, ce que je dis? Ah non, non. Aïe, putain, mais vas-y, mais avance, ouais. Pourquoi tu piles devant ma gueule, toi, sérieux, là? J'ai rien fait, c'est pas moi. Non, c'est la bagnole. Non, les gars, présentation, âge, nom, pièce d'identité, numéro de carte bleue minimum, PayPal. Et après, vous avez le droit de rentrer dans le Discord. N'oubliez pas de cliquer sur l'autorole pour permettre d'avoir des droits, hein. Tu vois, l'autorole qui permettra de mettre les droits farming. Et à partir de là, tu devrais avoir tous les canaux farming qui vont s'allumer. Et du coup, tu vas pouvoir automatiquement faire le café et du coup m'en ramener un dans le même élan. Voilà. Ouais, là ça commence à s'imposer chez moi. Là, je crois que je me suis gouré de route là. Oui, je me suis gouré de route. On va faire du double espresso là, ça va. Double espresso? Ouais. Ah bah, moi tout ça. Ah là là là. Allez. YouTube, on va se laisser là, je vais vous faire des gros bisous, je vais lancer le giveaway, je vais essayer de rattraper Roro, Roro va faire son café en même temps. Ouais, tu veux rattraper Roro, tu veux me rattraper pourquoi, j'ai fait quoi? On va rattraper Roro, on va l'attacher après un arbre, ça va bien se passer aussi. Pourquoi tu veux m'attacher après un arbre? Ah, je sais pas, j'ai envie, parce que là, j'ai décidé à... T'as de ses envies, toi, franchement? J'ai envie de t'attacher, fais attention à toi, ça pourrait mal se passer. Ouais. Allez YouTube, je vous fais des gros bisous, je charge le plateau, on finit la mission et on se retrouve juste après. Des bisous, ciao, bonsoir, bisous, merci, lâchez des coms et tout, bisous. Ciao, bisous.